Bon, Marie-Claude, elle a fait 620 km avec sa voiture sans permis pour venir chercher Tio Chien. Non mais sérieux. Non mais, il y a des gens dans la vie, ils sont motivés. Tout ça en 2 jours. Ils sont aussi jeunes. En 2 jours. Et vitesse de pointe? 70, non? 70. Punaise, non mais sérieux. Si, elle a fait 620 km, chérie. Bon, le plus important, c'est que t'es arrivé. La tiotte, elle est là. Comme je lui ai dit, ça, c'est la prunelle de mes yeux. Hein. Pour en prendre soin. Hein. Ouais, ouais. Ah, je te jure. Bah, viens, viens, viens te détendre un peu, là. Bon, les gars, il est 9h du mat. Bon, je suis dehors, je suis debout pour une raison exceptionnelle. Je viens d'effectuer un virement de 4000 euros. Ça y est, j'ai trouvé du coup un 1100 G6R dans le sud, vraiment très propre. Un petit peu de star sur les jantes, mais bon, elle n'est pas neuve non plus. Un mec qui a l'air de confiance, donc ben, je ne l'aurai pas tout de suite parce qu'elle est à Montpellier. Hein, et c'est Adrien qui s'en occupe. Vous savez, les délires d'Adrien, allez voir sa chaîne d'ailleurs sur YouTube. C'est un bon pote, Adrien, il nous a reçus plusieurs fois chez lui. Donc comme il était pas loin de Montpellier, il a bien voulu aller voir la moto et puis bah du coup, il est en train de faire les papiers et puis il me la ramène, enfin il me la ramène pas, il la ramène chez lui et puis j'irai la chercher là-bas. Donc voilà, allez, je vais essayer de vous mettre une petite vidéo du 1100 G6R, je vais lui demander là à Gilles, le vendeur, j'ai fait une petite vidéo du tour là comme ça, je pourrais la mettre dans sur la chaîne. Je vous montre ça tout de suite. C'est la potion d'Obélix, c'est Gaulois et sa famille pour parcourir le monde entier. Rien ne peut l'arrêter sauf les fossés. Et pour vous rencontrer autour d'un bon chaudron, pour partager de la potion avec du bon sang. Kif Tarazim, mon père. Oh, oh, oh. Kif Tarazim, mon père. Faut pas être pressé, les paysages t'as le temps de les observer. C'est ça la vie de nomade, chaque jour un nouveau paysage. Tu ne peux pas t'enlacer. Oh, oh, oh. Oui, c'est bien d'acheter une moto, mais café. Bon Marie, t'as bien dormi dans Obélix? Oui. Le privilège de dormir dans Obélix, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Attention, hein. Ça va être cher la nuit d'hôtel, au moins 200 balles. Hein. Actif dans les montées, ne faut pas être pressé. Les paysages t'attendent, les observer. Bon, ça joue là toute la mauvaise troupe. Bon, lui, gros, 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 lui. Tu ne peux pas t'enlacer. Bon, j'ai remis mon vélo à vendre, hein, on verra bien. C'est jamais. Kif Tarazim, mon père. Bon, allez, du coup, petite balade à l'écluse. Ouais, c'est mignon. Et voilà, ça me refait penser à l'image de Benny Hill. Encore. Le reflet dans l'eau. L'ancienne maison de l'écluse. Jolie. Qu'est-ce qui se magouille ici, là? Hein? Qu'est-ce qui se magouille par ici, là? Elle me demandait si j'avais, si je faisais encore des attrape-rêves. Donc, je lui dis, j'en ai quelques-uns qui sont enterrés, en mais cours. Pas finis. Donc, du coup, j'ai dit comme ça. C'est personnalisé, du coup. Voilà, Bon, ben, nous, on va attaquer l'apéro. On s'est trouvé du bois. Ça va être nickel. Bon, ouais, ça fera un beau petit barbecue avec tout ça. Ah, le téléphone, comme il n'a pas de batterie, il va saccader, mais c'est pas grave. Regardez, on est avec Chills. Comment ça se prononce? Shields. 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 Il faut le trouver, le prénom. Et Justin Bieber, il est avec nous. C'est ça.
On l'a retrouvé. Non, Justine. Et ils viennent. Bah voilà, c'est marqué là. Je vais vous faire un petit zoom. Il n'y a plus de batterie. Minnesota, du Minnesota. Et voilà, une jolie petite montre. C'est ça qui est bien de se promener sur les bords de l'eau. On voit plein de personnes différentes. Et ils viennent de loin, eux. Merci pour le petit message. You can sleep when you're dead, not today. Yes. Oh, regardez comme c'est beau, des amoureux. Allez, on est parti faire la petite visite de l'autre écluse, celle qui est de l'autre côté. Il y a 2 km, je crois. Et regardez comment il y en a, ils sont pas malheureux. Petite maison, tout seul, tranquille, au bord de l'eau. Ah, celle-là est pas mal non plus. Fais le point, toi. Sympa. Sympa. C'est très bien. Bon, là, on arrive sur une maison assez atypique. Oh la grosse, tu vas mourir ou quoi? Elle fait le cochon. Là. Là, c'est marrant, c'est des écluses qu'on fait nous-mêmes. Ouais. La barre à l'avant, c'est du coup ça pousse la porte là. Faut être patient, hein. Ah les Jojo, ah les Jojo. Hein? Ah non, faut que ça soit fermé. Non, mais oui. Ah oui, bah vas-y à fond, maximum. Quand c'est bon. Jojo, il a du mal à tout fermer. Hein. Tu y arrives, tu y arrives pas. Allez mon Jojo. Allez, tu y es presque, tu y es presque. Ouais, allez encore un peu. Allez à fond, à fond. Allez! C'est bon? C'est bon? Allez, allez, allez! Ça y est? Donc là, maintenant qu'on a fermé ici, Jojo, il faut aller ouvrir les trappes. Ah non, attends, faut. Oui, il faut fermer les trappes ici. Là. Allez, Jojo, il ouvre les vannes. Et après, on va voir l'eau qui dévale d'ici, là. Ça y est. Jojo, il ouvre les vannes. Allez, Lily. Donc là, ça va vider toute l'eau qui est là. Regardez, on voit bien. Eh, ça va vite, hein. T'as vu? Ouais. Allez, les éclusiers, là. Allez, allez, allez. C'est pas encore vide, hein. Je pense que t'es arrivé, Jojo, toi. Ah, c'est bon, je pense. C'est bon, les éclusiers, ils ont vidé l'écluse. Ils ont ouvert la porte. Bon, on l'a fait vite fait, hein, parce que là, il faut tout refermer pour tout remettre dans l'autre sens. Donc là, vous allez refermer la porte, ouvrir les vannes là-bas au fond. Donc là, ils vont rouvrir les vannes pour refaire rentrer l'eau. Donc d'un coup, l'eau va rentrer et ça va remonter au niveau qu'on voit foncer. Là. Regardez, c'était en quelle année, tu sais pas? On voit ça, minimum. Quand, quand le barrage... Ouais. Ah ouais, parce que là, ouais, d'accord, l'eau, elle est là-bas. Et là, ah ouais. Ah, y a pas... ah si, février 2001. Ouais. Enfin, j'ai fait ça, moi, ah, peut-être oui. Après, ouais. Peut-être. Bah dis donc, là, par contre, t'es dans la maison, ça doit être impressionnant, du coup. Regarde, c'est les photos que... Voilà. Ah ouais. Attends, parce que j'ai qu'une main. Attends. Ça, moi, ouais. Ah Lyon. T'as quand t'as ça qui arrive. C'est pas monté jusqu'à la maison, non quand même pas. Non, c'est... Ah ouais, là on voit bien les panneaux, tout ça, c'est dans l'eau. Hein. Ah oui, il y a la grosse maison. Carrément. Il y avait une crue. Inondation. Ah oui. L'eau elle est montée très haut quoi. Non, c'est... Ah ouais, ça c'est la charpente. C'est ouais. Et ben le monsieur avec qui je discutais là,
Il est dans la petite maison éclusière ici là. Oh, il est en location, il m'a dit, il était sympa le monsieur. Oh, elle est belle la petite maison. Ça c'est sympa, tu vois tout le monde passer là, c'est cool. Eh ben dis donc, Iris elle a fait toute la balade. Ça rigole pas. Hein. Elle s'est rajeunie. Non mais papa, depuis là, ouais, depuis deux jours. Deux jours elle vient en balade elle et tout. Creuse, elle joue avec Aura, elle fait des balades. Ouais. Allez les gamins, ils ont sorti les planches de surf. Ils vont aller s'amuser dans l'eau un petit peu. Dans l'eau de la Mayenne. Ah, ma chérie, elle nous a préparé un petit apéro. Et salade composée. Mmh, ça va être bon tout ça. On aurait pu demander si vous voulez un coup de main. Ah bah ça va pas mal tout ça. La quoi? Ouais, oui. Eh, regardez, épisode 2, épisode 2, le retour. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage qu'on avait rencontré à Saint-Malo? Eh ben là, il retombe sur nous par hasard. C'est un délire. Mais le hasard, le plus total, quoi. Ouais, ouais, carrément. Moi, j'adore. Ça, c'est cool. Je comprends pas ce monde. Ah, carrément. Ah, je sais pas combien de kilomètres d'écart, eh ben... Eh ben c'est comme ça, c'est bien. On a roulé aussi vite au milieu, au final. Bah, c'est vrai, hein. Non, mais sauf que nous, on a fait... Et toi, t'as fait... Non, moi, j'ai fait... Non, justement, moi j'avance que comme ça, en dents de scie. Ah ouais, bah, ouais. Nous, pareil, quoi. Bah, oh, c'est marrant. Bah, c'est cool. Je sais jamais où je vais, mais j'y vais. Hein. C'est ça qui est bien. Bah, ouais. Regardez-moi ça, comme c'est paisible, le soir. Bah, j'adore. Petite ambiance du soir. Ouais, petit réveil ce matin. Le copain vélo est toujours là. JS, Jean-Sébastien. Voilà, break Mano. Mano vient d'arriver, il était dormi ailleurs. Il voulait du réseau. Jean-Sébastien, il a dormi par terre. Normal. Et regardez comment c'est bien Mano qui a une paye. Il ramène les croissants, dis donc. Je sais pas, il était en train de dormir, je suis venu aller dans son porte-monnaie. Oh, ils sont chiants les chiots, dis donc. Oh, patapouf là, on se calme, ouais, oui, 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 regardez, il n'a pas grimpé sur la pierre. Il a sauté dans le vide. Ça va être bon tout ça. C'est là, laisse-le. T'as bien dormi, JS? Ah, très bien dormi. Il dort par terre. T'as dormi où toi? T'as dormi où? J'ai dormi sur la table de pique-nique. Hein. C'est vrai? J'ai dormi sur la table. Je me suis mis une petite nappe de couverture de survie et j'ai dormi dessus. Ah, hein. Oh, ouais, mais comment tu fais pour dormir là-dessus? Bah, ça va, hein. Il est fou ce gars, il est fou. Je vous l'avais dit, il est fou. T'as pas été de baigner quand même? Non, pas encore. Oh la grosse! Thierry nous a fait un plateau, regarde comme c'est joli. C'est vrai qu'on va à un mariage ou à Noël. Bon, c'est bon, Jean-Sébastien, je lui ai vendu mon vélo. T'achètes? T'achètes? Je prends. L'échange contre du romarin. Ah, contre le romarin, ça. Ah, pourquoi vous grattez la tête d'un seul coup? Fais-en du kilo. Va en cueillir des kilos, des kilos. Allez, du coup, café. Là, regardez, ils sont venus débiter l'arbre qui était tombé. Ils sont équipés, hein, ils sont en bateau. Avec la grue. La tronçonneuse. Ouais. Oh, il a l'air de bien connaître son boulot, t'inquiète rien. Là, il fait un... Ouais, il vient de dégager l'arbre. T'as vu le bateau? Quoi? Bon. Ouais. Tiens, regarde, il pisse juste avant qu'on s'en aille. Et câble. Il vient de se réveiller. Ah ouais. Du coup, nous, on va reprendre la route. Vulcan. Vulcan est reparti avec Richard et Christelle. On va abandonner notre copain JS avec ses super semelles anti-douleur. On se dit à bientôt. Hein, parce bah ouais, ouais, vu qu'on se recroise tout le temps. Défaite, hein. Avec ses super semelles anti-douleur. Ça fait mal ou pas?
et son super vélo. Et puis bah, on va reprendre la route. JS, il a dormi sur la table, lui. Non mais. Ouais, voilà, il nous reste plus que. Il nous reste plus gros patapouf qui sera récupéré un peu plus tard. Des. Oui, il a fait sa confiture hier aussi, confiture de prune. Ah, classe. Les pots directement sur le feu, ça marche. Ah, je vous jure. Bon, allez. Putain, il fait chaud aujourd'hui. Hein. On va aller faire quelques courses. On a tout rangé. Feu de camp, tout est rangé. On n'a plus qu'à y aller. Bon, après la piscine, on se fait une petite pause. Lily a été faire du skatepark. Elle a mis toutes ses protections, mais je crois qu'il y a une gamelle. C'est fait mal où ? Là. Frère, faut que tu mettes une armure là. Ah, il y a un skatepark juste là. Mais là juste à côté de la piscine. La chute qui s'est pris, et bah heureusement que je lui ai dit de mettre ses protections. Ouais. Là. Oh. Aura, arrête. Oh, je te jure. Bon allez, on a passé un petit moment sympa à la piscine. On va en profiter pour bouger le spot. On va aller se mettre au bord de la rivière parce que là, il fait super chaud. Les deux trottes, elles sont où? Attends, il y a un mec. Je crois qu'il y a un abonné. Les deux trottes, il est descendu, les enfants. Non, j'ai dit, je vais jamais le choper, lui. Ça va? Du coup, c'est bien un abonné qui arrivait là. Ouais, bah. Et là, on est depuis qu'on est garé devant la piscine. Quatrième abonné là qui vient nous voir. On va prendre les visites de la route. Hein. Ça, là, on va aller se cacher en bas. Bon, c'est pas qu'on veut pas voir les abonnés. Hein. C'est qu'on est au bord de la rivière en bas. Alors, vous allez voir, ça va peut-être être un peu difficile à accéder. Mais... Et papa ? Il y a pas mal de grosses branches. Ouais. Boudou, on est resté à la piscine avec Liam. Ah oui. Et fermé. Ah, Liam, ils sont restés jusqu'à la fin. Ils ont bien profité de la piscine. Allez, je vous garde avec moi. Le temps de descendre. Ah, il m'a foutu les poubelles là, non, c'est vrai. Ah, on va prendre le petit chemin qui est sur la gauche, vous allez voir. Hop. On va prendre le petit chemin là, on va faire comme d'habitude. Obélix, il va faire un petit peu d'élagage. Comme d'hab. Puis on va aller se poser à la fraîche. En bas. Jour, bon appétit! Ah, faut boire un coup alors. Allez. Oh, ça devrait passer normalement. Un petit peu serré, mais... Obélix, il en a vu d'autres. Allez, doucement. Ah, il y a un vélo qui arrive, on va le laisser passer. Et voilà, on arrive sur le spot. On va voir où je me gare. J'aimerais bien avoir un peu de solaire quand même parce que sinon c'est un peu le radèche. Peut-être aller mettre mon avant dans les orties là-bas. Et puis ce sera parfait. Hein. Allez, on va pousser les branches. On va essayer de se mettre à plat. Pas mal là. Attends, je descends. Ah ouais. Bon, regardez, du coup, on s'est posé là tranquillou. Hop. On est trop bien, bord de la rivière. Prends un petit pastis avec. C'est comment déjà ton prénom, tu m'as dit? Je me rappelle plus. François. Avec François, on prend un petit pastaga là tranquille. Et puis on est posé bah, vraiment au bord de la. C'est la Mayenne du coup là. Au bord de la Mayenne. On espère ne pas se faire jeter parce qu'il y a un camping juste derrière, mais bon. Bon, normalement, ça devrait le faire. Franchement, c'est trop bien parce que là, avec la chaleur, un petit peu d'ombre, ça fait pas de mal. Bon, on voulait faire un fromage en fait à la braise, un camembert. Et du coup, il y a François qui a été emmener des enfants pour acheter du papier d'alu. En fait, on n'avait pas assez de papier d'alu. Merci. Salut. À plus. Ouais. Ça marche! Donc il a emmené les gosses faire les courses. C'est cool! Qui est-ce qui a le produit anti-moustique au fait? Allez, merci, le petit camembert qui va bien. C'est moi qui l'ai fait! Mais non, tu l'as fait, mais on prend.
Oui. Les tartines, trop bon ça. On aurait dû le faire griller. Bon bah franchement les pâtes étaient super bonnes, c'est bien régalé. Et là avec le petit fromage fondu, hop 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 hop, ça ça va être bon. Tu l'as ramené le camembert? Ah oui. Bon, journée forte chaleur, a pas fait grand chose aujourd'hui. Hein. On attend que ça passe. Ça va ma chérie? Non, tu regardes ta petite série? Ouais. Puis du coup, bah, Liam et les Juju sont partis à la pistoche. Bon, on est à côté de la piscine. Bon, on est pas mal sous les arbres là, mais sauf que ça manque de solaire. Hein. Les batteries, se chargent pas de ouf. C'est un comble quand même. Ouais. Bon allez, de cette chaleur, on va aller se faire un... Les jeunes, ils se baignent là, tranquille. Nous, on va aller se faire une petite balade. On va aller voir le camping. Nous, on est restés 4h10 dans la piscine. Ouais, ils sont restés 4h dans la piscine. Carrément. 4h12. 11. Oui, 20. Ouais. Je pense que Liam, il l'a vu. C'est qu'il est fumé. Je sais pas, on lui demandait. On a le petit camping juste derrière où on est, avec les jeux pour les enfants. La petite place avec pour faire le barbecue à l'abri. Cool. Regardez comme il est beau mon petit bus là, dans le soleil comme ça, pleine nature. Classe. Allez, je vais aller voir l'autre côté là-bas. Liam, il a mis sa tente ici, tranquillou. Tranquille Emile. Bon, le Mano il est en train de se battre dans son camion là-bas. Là. Et Lily, elle va nous faire des petites crêpes. On a sorti le gaz. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, je regardais le sapin là et je disais, il serait trop facile à grimper ce sapin. C'est presque comme un escalier. Non, regardez qui c'est qui est tout là-haut. Et là, on voit des branches tomber. Regardez qui c'est qui est là-haut là. T'es bien là-haut? Quoi? T'as une belle vue là-haut? Le bassin. Bon bah les gars, on est bien. Petite crevette. On est bien Tintin. On est bien Tintin. Je l'ai mis dans mon TikTok. On est bien Tintin. Des petites crêpes que Lily nous a faites. Avec des œufs. Avec des œufs de l'œuf pas cuit. Mais cuir, ouais, super. Mais c'est chiant. Bah, parce que tu as l'œuf, je pense qu'il faut le faire cuire avant. Je pouvais te faire cuire un œuf. Bah maman elle a pas fait. Bon maman elle a pris le relais, maman. Ça va, elle a pris le relais des crêpes. Tu veux que je te la fasse recuire, Lily? Oui. Là, surtout l'œuf. Tout ça au bord de l'eau, tranquille. Bénard? Bon, je crois que j'ai été corvée de crevettes. Hein. Ouf. Tout épluché pour pas les perdre. Hein? Ouais, mais c'est pour pas les perdre. Là, si on les épluche pas maintenant, à mon avis, elles vont tourner. Tu sautes de où ils sautaient, les jeunes? Non. C'est sûr que ça mouille. Regardez, eux, ils jouent à la Xbox avec le rétro-projecteur. C'est quoi, premier gamer ou la bagnole? Sur la porte du camion. C'est bien. Je vais mettre le flash si on voit rien. Ah non, dispo, attends, hop. C'est impossible de jouer de. Clac, voilà. Moi je suis bien là. Ils sont bien là. Ouais, je peux avoir la chaise. Attends, il fait chaud là. Mais pourquoi on met pas le chien là? Regardez ma chérie. Comment ça la pète avec ces petits AirPods là? C'est pas des AirPods, c'est des écouteurs à 7€ Action. Je cherche une solution pour pouvoir m'allonger sur mon oreiller en écoutant. C'est pas très confort. En fait. Ouais, non, à mon avis. Moi, je pense que dès que tu t'allonges, ça sort des oreilles, non? Bah, non. Ah, si, tu sais, ça va appuyer sur un endroit. Sur l'oreiller? Ouais. Ah, j'ai mis pause. Oh là, il y a une voiture. Ah non, s'il veut passer, on est mort là. Allez, petit café, les copains. T'as bien dormi, ma chérie? Très bien. T'as eu trop chaud? Non, pas du tout. Bah non, là, c'est bon. Quand on ouvre tout le soir, on n'a pas de moustiques ici, c'est un truc de ouf.
Ah, jamais cru. Allez, café. Ah, mon petit spot peinard, hein, ici. Hein. Franchement, à retenir. Enfin, on va le créer en par Fortnite parce qu'il est pas, il est pas créé encore. Eh oh, doucement là, doucement, doucement, les sales bêtes là. Oui, bonjour, oui, bonjour, bonjour. Oui, Cyril a la jalouse. Oui, Cyril a la jalouse. Ah, franchement, il est tranquille ce petit spot. Allez, crafé. Quoi ? Je sais pas si le téléphone de Mano, il fait. Tu sais, quand tu charges avec la. Sans le toucher à rien, là. Ah, induction, je pense pas. Bon, papa, il m'a demandé de filmer pour faire la manœuvre, donc bah voilà. C'est bon, papa ? C'est bon ? Donc là, il va démarrer. C'est chiant, il y a l'arbre là. Donc là, il va faire comme ça dans le chemin là et il va revenir. Ouais. Vous allez voir au pire. Pire du pire. Manu, il est déjà parti, lui. Là, il va dans le chemin. Il va reculer là où il y a Liam, je crois. Ouais, voilà. Voilà, donc là il a fait demi-tour. Ça craque les branches. Bon. C'est les branches mortes, ça va. Voilà, il est sorti. Finalement, changement de programme, bah, comme d'habitude, hein. On va du coup à signer le Guillaume, la base de loisirs pour pouvoir se baigner de ce temps très très chaud. Là, on passe la commune de Gazet, Grazet, je sais plus, Gazet, je crois. Sympa cette petite campagne. Ah, il y a chaud, Bélix. Allez, petite recharge en eau sur la route à Isée. Bled de Isée. Bon, petite astuce du scotch hein, pour tenir le poussoir. T'as regardé ce camping-car là ? Il est au bout de sa vie, le pauvre. Et regardez les fils, il n'y a plus de Neyman, c'est les fils qui dépassent. Oh, il est à l'abandon, je crois, celui-là. Bon, allez, ça va être bon. Pick-up bien, mon cousin. Bon, allez, du coup, nous voilà à Cyril Guillaume pour aller se faire une petite baignade. Bon, c'est pas les endroits, il y a du monde, hein. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Allez, c'est parti pour la baignade. Bon allez, du coup, petite baignade. Bon, Patapouf, tu vas être baigné ou pas ? Oui, il a pas l'air... Il va te dormir, lui. Il va se coucher, lui. Allez. Bon, on n'a pas été où il y a tout le monde. Plus tranquille, là. Tu parles, il ne veut pas y aller, ouais. Bah oui. Ah, il va dans l'eau, un petit pote à pouf là. Mano, ton short, le cul est tout noir. Ouais, c'est parce que quand je me suis baigné à la rivière l'autre fois, ouais. Bah, je me suis assis, je me suis changé, je me suis assis mouillé dans la terre. Il va dans l'eau lui. Hein. Putain, c'est relou, c'est mal au pied. Regardez, pote à pouf, il s'est mis à nager direct. Ouais. Il va être lourd. Je te jure. Trop mignon. Ça se trouve, c'est peut-être le border, le Golden Retriever, ton père. Ça aime bien l'eau. C'est vrai qu'il a la corpulence d'un Golden. Ouais, même son poil et tout. Il est content. Sa petite baignade. Ah, c'est bien, lui. Il se c'est bien, il a été tout seul. D'un coup. Il se secoue, il a pas d'eau qui nous éclabousse. Bon alors, Cyrilouche.
Est-ce que Cyrilouche va vouloir aller dans l'eau? Donne son papier. Je crois pas. Hein. Il y est allé tout seul. Je retire son papier. Ah, petit essai de Cyrilla. Ah bah, elle y va aussi. Ouais, mais bon, elle nage pas pour l'instant. Ah, l'autre fois, vu qu'elle est tombée dans l'eau, je sais pas si elle est pas un peu en mode. Viens, ma fille. Appelle Aura. Aura? Non, elle veut pas. Elle vient. Elle vient. Elle vient, ma fille. Ah, elle veut pas nager, elle. Patapou. Je crois que Cyrilla s'est pas nagé. Regarde Patapou qui bombarde, il la rattrape. Ouais. Je fais ça. C'est dingue. Ils ont pas les mêmes gènes de l'eau. Ah, coucou, c'est Lydie qui filme. J'espère qu'il va encore être là. Il y a un petit oiseau que je voulais vous filmer. Ah oui, il est encore là. Regardez. Attendez. Ça bouge. J'essaie de faire le point, mais c'est pas facile. Petit oiseau. Papa, il a dit que c'était une hirondelle, il pensait. Mais je sais pas moi. C'est gravure. Voilà, petit oiseau. Attendez. On est à Ciel Guillaume là. Là, je suis dans le petit abri. Et regardez, il y a plein d'amis. Là, il y en a un. Attendez. Là, il y en a un. Là où je vous ai montré l'oiseau, il y en a un. Là, là. Il y en a partout. Il y en a beaucoup. Bisous. J'essaye de filmer plusieurs angles. Il est où? Il est là. Ah, là, on voit mieux. Il est beau. Voilà. Bon, bah, ça y est, hein. Tant comme ça, on a l'orage qui arrive. Ça commence à tomber. Regardez-moi l'athlète. Allez, on va aller ranger les chaises et tout. Là, ça tombe. Bon, bah, vu qu'il y a l'orage qui se pointait, on a déplacé le bus et regardez. On s'est mis devant la petite grange là, qui est faite exprès. Du coup, on est trop bien. On a sorti la plancha, tout ce qu'il faut. C'est une petite ratatouille, les saucisses. On va se mettre bien, on va se mettre bien. Regardez comment on est bien. Hop, là, il commence à pleuvoir. Et là, nous, on arrive. Et on est juste bien, ici, tranquille, posé. La plancha. La petite ratatouille de Vivi qui est en train de cuire. Même Pritika. Et tranquille dans son hangar. Et puis là, bon, on s'est installé les tables, on est bien. Nickel. Franchement, au top. On est en place. Donc juste la lumière, on va trouver. Mais regardez-moi ce perroquet punk à chien qui boit de la 8-6. Non mais oh. Sérieux ce Pritika là? Bio là dessus. C'est bon la 8-6? Les petites culottées. C'est un perroquet de pirate. Alors rouge, c'est de 3, 5. Bon allez, on a mis la petite planche en route. C'est bien ça. Oh là, j'y arrive pas. Ah voilà. C'est comme. Oh, il est 8h du mat, je prends mon café. Hein. Pourquoi je prends mon café 8h du mat? Parce que les éboueurs ils sont passés vider les poubelles à 7h, du coup ça m'a réveillé. Et il n'y a pas de réseau, donc je peux pas checker mes messages et tout comme je fais d'habitude le matin. Voilà, voilà où. Donc on prend son petit café tranquille dans la forêt à 8h du mat. Hey, qui me saute dessus? C'est calme, Star-Lord, dis donc. Allez, nous on a bougé, on va aller se mettre à un spot qui a une quinzaine de kilomètres. Un spot où on était déjà allé, où on avait rencontré Family Sand Truck et tout ça. Et où c'est un peu plus nature, un peu moins de monde. On va pouvoir faire un petit feu. Même pas, je crois, on va faire la planche encore.
s'est fait plaisir, on s'est acheté des magrets de canard. On en avait en promo. Ça faisait un moment qu'on voulait en faire. Voilà, on va se faire une bonne petite planche à. Et comme ça, on n'est pas loin, on sera au bord de l'eau. Petit spot sympa à Souger le Ganelon. Bon, on arrive sur le nouveau spot là. Mano, il vient de m'appeler, il me dit quand t'arrives, faut que tu fasses le klaxon. Il y a des gamins qui sont là, ils sont fans, je sais pas quoi. Bon, bah écoute, on va arriver là, bientôt au parking, ils vont faire le klaxon. Hein. On va bientôt arriver. Il reste 400 mètres. Alors, attention. On va faire un petit baby shark. Alors, c'était où qu'on tournait déjà? Il reste 100 mètres. On va arriver. Ah, ça y est, on arrive. Allez. Putain, c'est discret, hein. Ouais. On est discret, hein. Personne. Bah, personne, bravo. Ah si, là-bas, regarde à droite. Camping-car. Ouais. Oh. Alors on va se mettre où nous? Comment que je vais me mettre moi? Faut qu'on ait le soleil, moi ça va le faire. Ah, attends, faut que je coupe. Hein. Bon bah du coup nous voilà arrivés sur ce petit spot sympatoche. Ça se baigne. Elle est fraîche mais ça fait du bien. Ouais. Alors on est avec la famille Christopher là. C'est comment votre chaîne YouTube déjà? Barlou Family. Barlou Family, bah allez voir Barlou Family si ça vous plaît. Abonnez-vous. Ah, il marche. Elle est bonne alors, fraîche? Elle est fraîche, mais ça fait du bien. Elle est bonne après. C'est là. Ouais. Bon, allez, on va s'éplucher petites patates. On va se faire des petites patates sautées. Et on s'est pris des magrets de canard, comme j'ai dit tout à l'heure. On va se faire plaisir. Bon, les gendarmes, ils sont passés nous voir. C'est interdit la baignade. Comme il dit Nono, c'est marqué base de loisirs. Bah, loisirs de quoi? Bon, de toute façon, c'est tout le temps interdit partout la baignade. Je sais pas, moi, dans le temps, ils faisaient comment? Tout est interdit. Il y avait de l'eau, ils allaient se baigner, puis voilà. Ça, pour se rafraîchir. Ah non, tout est interdit. C'est un truc de fou, ça. Enfin bon, bref. Regardez-moi le pot à pouf, comme il est beau avec sa petite pâquerette. Oh, mais l'autre, il dort avec sa petite pâquerette. Ah bah, t'es jalouse, toi, elle est jalouse, hein. Bon allez, c'est parti pour la bonne petite pleine chat, mon copain. Avec les petites patates, je peux vous dire qu'elles sont cuites à point. Comme il faut. Regarde-moi ça. Oh, bon, on verra tout à l'heure. Parce que là, elles sont à... Et là, on va se faire les petits magrets de canard. Bon, il y a plein de copains qui nous ont rejoints. Il y a du monde, hein. Plein de monde, comme d'habitude. Toujours plein de monde. Hein. Alors, on va se faire les petits magrets, là. Allez, on s'est mis les petits trucs de poulet, les petits magrets quand même à cuire. Oh putain, mais c'est... Tranquillement, gentiment. Mais sûrement. Ça va le faire. Bah dis donc, on va pas mourir de faim. Hein. Les petits magrets de canard, putain, ils sont cuits comme il faut là. Là, ils sont top. Et là, ils sont bien. Les chauchiches, les petites ailes de poulet. Ah oh, là, ils vont être bien. C'est pas mal, hein, la petite plante ça en vrai. Ça passe bien? Bon, oui, tranquille. Merci Bruno pour cette belle soirée. Bon, on n'a rien fait, nous. C'est vous qui avez tout ramené? Ouais, non. C'est gentil. C'est le moment préféré de ma femme, elle adore. Mais regardez, ça, c'est beau, ça, les gens qui prennent soin des anciens. Hein? Ça se perd, tout ça. Eh oui. Maintenant, les anciens, on les met à droite, à gauche, le truc. Avec un verre dans un siège. Ah ouais, voilà. Voilà. Tiens, Mano, regarde. Machallah, Vivi. T'as vu ça un peu? Vivi, elle prend soin des anciens aussi. Voilà. Elle prend soin de père, de Nono. Je veux dire père Nono, j'allais dire. Elle prend soin des anciens, ramène une assiette de pommes de terre pour Nono. Ah ouais? Elle ramène pour Mano. Elle est le contraire, là. Je veux faire tout le monde. Tu peux nourrir Mano après, non? Moi aussi. Bon, le Barlou, il va démarrer le bus là. Attention.
Alors il a suivi les vidéos depuis le début, il connaît par cœur. Tu l'as tourné combien de fois ça? C'est un coupe-circuit là. Ouais. Ouais, tu le tournes combien de fois? Il connaît par cœur. Tu le bloques, ouais. Ramène-la la clé parce qu'en fait faut la ramener, tu sais, comme un, ouais. Et après tu la redémarres. Ok. Une horloge. Une horloge. Ah, par contre, c'est du bruit, hein. Une horloge. En vrai, c'est impressionnant. Avec plaisir. En vrai, c'est impressionnant quand même. Et tu vois. Bon, c'est une horloge. C'est un monstre. Ouais, mais bon, après, quand tu connais pas, tu suis pas. 800 000 km. 40 et quelques années. Écoute. 1983, comme le Berlibus. 40 ans, bah, il y a 83. 41. Comme le Berlibus. Et c'est. Tiens, fais du petit vroom vroom. Bonsoir, bâtard. C'est bon ça? Je me rappelle 130. 170. C'est comme les autos, t'accélères un petit peu, mais tu lâches pas. Ouais, mais à la base, tu là, il est froid. Non, t'inquiète. Non, non, lâche pas, accélère. Non, mais à peine. Ah bah. À peine, bouge pas. Moi, j'adore les bombes, bombes. Et ça. Bon allez, tu es au café? T'es au café mon copain? À ma femme. Allez, salut la Barlou Family! Salut mon frère Bruno! Salut la Carafred! A plus dans le bus? Ah ouais, dans le bus! Salut! Bien, Château, ça a l'air assez joli par ici. Donc, quelqu'un nous en a parlé, mais je sais plus qui. Bon, c'est pas grave. Bon, on sera fait une petite balade de 70 bornes quand même. Pour on retourne donc, du coup, je sais plus si je l'ai dit, chez Antoine et Malice pour récupérer la carte bleue, la nouvelle carte bleue. Vu que j'ai paumé ma carte bleue comme un con, et 2-3 bricoles aussi. Et ensuite, on reprend la route. Donc, on a dit au revoir à Arnaud et Vivi. On les reverra une autre fois. Et puis on a dit au revoir à tout le monde. Et c'est reparti. Et dès que j'arrive, j'ai mon montage à faire. Eh ouais, hein, faut pas oublier le boulot non plus, hein, quand même. Bon, c'est une petite route de campagne, c'est cool. Allez. Comme ça, une petite troisième. La petite place de vie, petit village. Ah, c'est mignon. La Selle et Château. Aïe. Ah bah dis donc, les chiens ils sont contents de se retrouver, hein. Et vas-y que ça queen, et vas-y que ça queen, hein. Ah mon Rio. Allez, descends Rio, descends. Bon, on a reçu un petit colis de Babar.
Babar qui nous a envoyé un petit coach, j'étais même pas au courant. Plein de bonbons. Plein de bons becs. Des chewing-gums à la menthe. Des chewing-gums, des bonbons. Une cafetière italienne. Et une cafetière italienne. Bah écoute. Merci Babar. Merci Babar. Je sais pas pourquoi il m'a même pas dit qu'il a envoyé ça. Bah, écoute, ça devait. Impeccable. Ah ouais. Antoine, il avait mangé tous les bonbons, disons. Maïs, fais voir ton ventre vis-à-vis là. Oh non. Allez, de profil. Oh, elle est relou, elle veut pas montrer son ventre. Bon, filmera la photo qu'on a. Ah, mais c'est barré l'autre. Je suis en train de faire mon montage là. Il y a une mouche trop chelou qui nous se pose sur nous depuis tout à l'heure. Je suis pas sûr à revenir. Allez, nous, on va repartir de Chantoine et Malis. Bon, oui, on est vraiment venu en coup de vent. C'était pour récupérer la carte bleue et les... Comment on appelle ça les chambres à air pour, pour la trottinette qui a crevé. Bah oui, encore ma chambre à air, hein, encore ma trottinette, hein, bien sûr. Et là, on va repartir, du coup, vers la Bretagne. Mais déjà, on va s'arrêter. Comme ça, on va faire un dernier pique-nique ce soir avec Antoine et Malis avant de partir vers la Bretagne. Voili, voilou. Là, je vais déjà aller uploader ma vidéo. Et faire quelques petites courses, comme ça on va faire des croque-monsieur ce soir. Allez, du coup je vais me poser une quinzaine de minutes au pied de l'antenne, à l'endroit où je capte super bien, comme ça je vais pouvoir uploader direct ma vidéo et pas perdre du temps pour rien. Impeccable. Milieu des champs, tranquillou, tranquillou. Bon allez, du coup nous voilà la fosse à retour. Allez, on va aller boire un petit coup à l'auberge qui est là-bas, qu'on avait déjà été. Tu sais, Mplemang. Encore ? Bah oui. T'as pas pris tes commandes ? Tes commandes ? Ah non, ouais, faut. Allez, patapouf, cavale. Et il s'est mis de l'huile du bus sur le dos, lui. Soir, non. Eh, patapouf, on y va, là. Oh, sérieux, lui ? Les carpettes sous la table. Patapouf! Lui, il joue 2 minutes avec sa taille, il est mort. Patapouf! Parle. Bouge même pas, lui. Et regardez, l'autre fois, quand on était ici, il y avait une dame qui pêchait les écrevisses. Et regardez comment c'est blindé les écrevisses. Regardez. Je sais pas si vous allez la voir. Attendez, moi, je vois pas ce que je fais. Ouais, là, celle-là. Là! Bah non, mais là, je suis celle le long du mur, là. Là aussi. Il y en a partout. Il y en a une là aussi. Et c'est joli, il y a pas mal de sites d'escalade. Pas mal. C'est joli avec les petites touffes violettes dans les rochers là. Ouais, Liam, monte pas trop, si tu tombes là, on est dans la merde. Ouais, déjà assez haut là. Et fais gaffe que des fois, redescendre, c'est plus relou. Vas-y, tranquille. Tu t'as vu ce vent, en tout cas. Avoir de l'escalade. Je filme jusqu'au bout, au cas où il y aurait une chute. Il faut avoir une preuve. Oh, ta pouf. Allez, ici il y en a mis qui se sont mis une petite mission dessin, coloriage. Et je vais aller voir là-bas, Antoine il s'est mis à faire du D-Tech. Il a pris mon D-Tech, on va aller voir s'il trouve des belles choses. Quoi ? Ah ouais ? Bon, il s'est nagé, ça va. Bon alors, t'es riche ? Je vais aller dans la peinture parce que là autour des tables c'est blindé de capsules et l'air de jeu c'est tu sais, des dalles. Ah ouais, tu peux pas, ouais. Putain, elle est trop belle la table. Ouais. Même le parc, regarde. Et t'as vu là, il y a un panneau qui disait 2 militaires ont été tués là, sur la pierre. Ouais, 7 blessés, je crois. Il y a peut-être un peu de militaria. Je vais aller là derrière la peinture en face. Ouais. C'est belle la maison. Allez, du coup, avec la petite séance coloriage. Séance croquage. Séance croque-monsieur. Ouais. De toute beauté.
troisième. Moi je prends les. Non, non, non. Allez, du coup, les petits croque-monsieur. Miam, 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 miam. Moi je prends les, moi je prends les. C'est celui-là. Je m'en fous du cramé. Ah bah, je joue. Ça, c'est un mental. C'est un mental, celui-là. Hein? Je sais pas si c'est quoi le mental? Si, Antoine, il veut. C'est quoi le mental, maman? Bah, c'est bon.